Salut à tous, je suis très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc je voulais avoir votre avis déjà, voilà, nouveau setup. Bon, je l'ai déjà utilisé dans une ou deux vidéos de filmer sous cet angle-là, mais je vais avoir besoin de vous parce que je ne sais pas comment compléter cette armoire. Donc promis, je change plus de setup avant 2021 minimum. Je m'amuse tout le temps à réagencer mon appart, les différents, même l'espace où il y a mon lit, etc. Genre je change tout le temps. Mais là, cette fois, je pense avoir trouvé un truc qui est pas mal. Donc à gauche, vous avez l'ordinateur et à droite, vous avez l'armoire. Donc j'ai mis les livres que je peux lire ou que j'ai déjà lu ou que je suis en train de lire. J'ai mis la tasse de la popcorn avec la bouteille d'eau cristalline, la dédicace de Laura Lone, le réveil, le truc guest de la popcorn. Donc voilà, donc j'ai déjà pas mal rempli, on va dire, l'espace qui est derrière, enfin pour cette partie-là et cette partie-là. Mais tout ce qui est là, tout ce qui est là et tout ce qui est un peu là, même si on le voit pas trop, j'aimerais bien le remplir aussi, mais je sais pas quoi rajouter. Donc je sais pas si vous avez des idées, mais en tout cas, n'hésitez pas, c'est le moment à balancer vos meilleurs liens Amazon ou juste les noms et j'irai les chercher par moi-même ou si vous avez des idées de concept, etc. Parce que je sais que c'est vous déjà qui avez trouvé le nom de la chaîne, c'était Albin avec un lambda, je crois, à la place d'une des lettres, qui avait trouvé le nom Les Ingé Sup pour la chaîne YouTube. Et je sais parfois vous avez des très bonnes idées, même tout le temps, des très bonnes idées. Donc comme je suis à court d'idées, je vous demande, avez-vous une idée de comment compléter cette armoire? Parce que ça se trouve, vous allez donner des références ou des objets. Et en fait, vous serez là, c'est un peu comme vous voyez quand vous contribuez à un projet, c'est-à-dire, bah là, il a contribué au nom de la chaîne, et par exemple, vous allez peut-être contribuer à un élément du décor, et vous vous direz, bah, c'est moi qui lui ai fait acheter ça. Alors, niveau budget, m'achetez pas non plus, enfin, me demandez pas des trucs à 500 euros unité, je vais pas lâcher 500 euros, mais je sais pas, 10, 20, 30, 40, 50, on va dire, allez, maximum 100 euros l'objet, mais il faut vraiment que ce soit le truc collector de fou fou fou, mais je vais essayer plutôt d'acheter des petits objets, c'est vraiment des petits éléments de décor, mon but, c'est pas de me ruiner, c'est pour agrémenter le derrière. Donc si vraiment vous avez des idées, je suis preneur et cette vidéo est faite pour ça. En tout cas, j'espère que vous allez très bien. Je sais que c'est une période pas facile avec le reconfinement. N'hésitez pas à en parler dans les commentaires comment ça se passe pour vous en ce moment. Personnellement, comment ça se passe? Bah ça va, là il va y avoir des DS et des partiels qui approchent, donc un peu peur. On va y aller en présentiel, on va les faire. Mais on va voir, on va voir. Et sinon, au niveau bah, des sorties, etc., bah, c'est le confinement, donc on attendra un petit peu pour sortir. Mais sinon, voilà. J'espère que pour vous, ça se passe bien. N'hésitez pas à me le dire si le confinement est plus difficile que le premier, moins difficile. Personnellement, je le trouve moins difficile que le premier parce qu'il a l'air de durer moins longtemps. Bon, on verra ça. Et il est moins strict, c'est-à-dire on peut un petit peu plus sortir, enfin il est moins oppressant que le premier, mais c'est pas pour autant qu'on sort plus, de toute façon tout est fermé donc il n'y a pas grand-chose à faire dehors. Donc voilà, donc c'était les deux petits points que je voulais traiter avec vous, donc n'hésitez pas, si vous avez des idées, vous pouvez remplir cette armoire avec toutes vos suggestions et je lirai tous vos commentaires attentivement et je prendrai en compte vos considérations et vous verrez bien dans quelques vidéos, je vais essayer de faire les achats avant Noël, comme ça je vous ferai peut-être une vidéo avant Noël où vous verrez le décor complet, peut-être une chef du Larzac, je sais pas, on verra, c'est à vous de choisir, c'est à vous de décider. Donc je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée, travaillez bien et on se retrouve demain. Ciao tout le monde!